Salut à tous, c'est Zitax. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir les nouveaux leaks que Rockstar nous ont confirmés aujourd'hui. Donc ils ont commencé à publier quelques photos comme ils avaient fait hier justement et annoncé entre guillemets trois nouveautés. Donc là on a deux nouveaux véhicules plus une fonctionnalité qui je pense va vous faire plaisir. Donc c'est parti, la première entre guillemets information, c'est qu'ils ont tout simplement confirmé ce nouveau véhicule qu'on avait découvert et que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. Donc ça serait tout simplement, pour le moment on n'a pas vraiment de nom je crois, attendez. Peut-être la Grotti Vision, donc voilà, peut-être qu'elle va s'appeler comme ça. En tout cas, Grotti, c'est la marque. Après, pour le nom, je sais pas trop comment elle va s'appeler. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, ça prouve bien que les anciennes sources qu'on avait eues et justement où ce véhicule pardon, avait fuité s'avéraient plutôt véridiques. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, le véhicule, c'est une super sportive, je pense. Vraiment un style assez futuriste, un style que j'aime beaucoup, vraiment. On peut remarquer les jantes qui sont pour moi immenses. Après, c'est peut-être que la photo est prise dans ce sens-là et qu'il y a un zoom forcément dessus. Mais franchement, le véhicule a l'air vraiment grave stylé, a l'air super agressif, que ce soit les lignes du véhicule. Je kiffe vraiment ce genre de véhicule. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, j'ai un petit peu peur pour son prix. Mais bon, la deuxième info, c'est pas un nouveau véhicule, c'est tout simplement une confirmation un petit peu de ce qu'on se demandait. Rappelez-vous, je me demandais beaucoup si justement est-ce qu'on aura la possibilité de customiser les véhicules, mais juste l'apparence, ou est-ce qu'on aura aussi la possibilité de tout simplement customiser aussi le moteur, les armes, tout ça. Et ben là, on a enfin, pardon, la confirmation que tout simplement ça sera possible de customiser l'apparence, mais en plus les armes et le moteur, tout ça, vraiment, on aura la possibilité de choisir pas mal de trucs. Donc ça sera vraiment une customisation complète et une customisation qui, je pense, va faire plaisir. La troisième et dernière information de cette vidéo, c'est une information qui, je pense, va vous faire plaisir, mais qui va aussi beaucoup faire parler. C'est pour moi la meilleure annonce qu'ils ont pu faire à l'heure actuelle. Donc c'est tout simplement le V-65 Molotov. Donc c'est cet avion de chasse-là. Donc oui, c'est un avion de chasse, je pense, en tout cas, il a tout l'air. Il a un réacteur, on dirait qu'il est armé. Franchement, c'est un nouveau avion de chasse qui, je pense, a l'air vraiment badass, a l'air vraiment stylé. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a enfin un nouveau avion de chasse, parce que forcément, on s'attendait à ce qu'il y ait un nouveau avion de chasse, parce qu'on ne pouvait pas se dire qu'un DLC où il y avait des avions, des hélicoptères, et qu'on n'avait pas d'avion de chasse, c'était pas possible. C'est normal qu'un avion de chasse débarque. Et franchement, je pense que celui-là va vraiment faire plaisir. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu et que tu auras appris pas mal de choses concernant le DLC Smuggler Run, qui franchement va venir très très rapidement. Il arrive ce mardi, je vous le rappelle, aux alentours de 10h30, 11h généralement. Donc je pense que ça sera un DLC qu'on devra télécharger forcément. Donc pour ma part, il y aura toujours, je pense, un petit peu des vidéos jusqu'à mardi. Voilà, j'ai prévu quelques petites vidéos sympathiques. Donc vous aurez des vidéos jusqu'à mardi, jusqu'au DLC. Ensuite, mardi, il y aura une vidéo présentation du DLC. Alors j'achèterai pas tout, je tiens à vous le préciser. À l'heure actuelle, j'ai réussi à, entre guillemets, choper 5 millions de dollars de manière légite, de manière à faire que de l'import-export pendant plus de un week-end entier. Donc c'était long, mais j'ai à peu près 5 millions de dollars. Donc je vais essayer de voir un petit peu si je peux pas choper un petit sixième million, ça serait cool et ça serait plutôt bien. Donc voilà, en tout cas, attendez-vous à ce qu'il y ait une vidéo plus longue que d'habitude, je pense de 15 à 25 minutes pour la présentation du DLC. Forcément, je ne vais pas tout acheter, j'ai pas la possibilité de tout acheter, j'ai que 5 millions, voire peut-être 6 millions, ça dépend si j'arrive à faire ça correctement. Mais bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite vraiment à aller voir la playlist consacré justement au DLC Smuggler Run où il y a toutes les infos, toutes les vidéos. Bref, voilà, je te laisse regarder ça dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la bombarder de likes, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.